Bonsoir à tous, bienvenue à Versailles pour ce nouveau numéro des Racines et des Ailes consacré aux grands bâtisseurs. Ce soir, nous allons évoquer le grand siècle sous Louis XIV et l'Égypte des pharaons. C'est une émission tout à fait exceptionnelle que je vous propose ce soir, puisque j'ai le privilège de vous accueillir sur les toits du château de Versailles, un lieu totalement inaccessible au public. Sous mes pieds se trouve la Galerie des Glaces, et d'ici, nous avons une perspective inédite sur l'ensemble du domaine, l'œuvre d'André Le Nôtre. Au premier plan, vous découvrez les parterres et les broderies des jardins à la française. Dans le prolongement, le grand canal et puis jusqu'à l'horizon, les espaces boisés. Vous le savez, Louis XIV a fait de ses jardins un lieu d'expression de sa gloire et de sa puissance dès le début de son règne et bien avant l'achèvement de ce château. Et dans ce décor grandiose, Louis XIV est partout représenté par Apollon, comme ici sur ce trophée d'armes sculpté. Apollon, c'est bien sûr le dieu des arts et du soleil. Je me trouve maintenant juste au-dessus des grands appartements du roi. Et d'ici, on a une très jolie vue sur l'aile nord du château qui abrite notamment l'Opéra Royal. Mais ce que je voulais partager avec vous ce soir, ce sont les vues plongeantes sur la cour de marbre et la cour royale. Des années de restauration ont permis de redonner tout leur éclat à l'ardoise sur les toits et aux dorures sur une partie des faîtages et des lucarnes. Il faut savoir que les artisans ont appliqué une à une les feuilles d'or et il en a fallu 2500 par lucarne. Un chantier vient de s'achever, un autre va bientôt commencer à quelques pas d'ici. Je vous laisse apprécier la perspective magnifique sur la chapelle royale, l'une des dernières grandes réalisations du règne de Louis XIV. L'édifice s'est beaucoup dégradé avec le temps, il faut maintenant le restaurer. Et c'est un chantier titanesque, charpente, ardoise, vitraux, façade. Certains éléments doivent même être démontés, comme ces pots à feu, ces vases surmontés de flammes ou encore certaines statues. Versailles, c'est un patrimoine à protéger sans cesse. Les chantiers se succèdent depuis les années 2000 et c'est une vitrine de l'excellence française. C'est ce qu'on va découvrir dans le sujet de Camille Robert et Corentin Robert. À Versailles, quelques jours par an, à la fin de l'hiver, lorsque le temps chaud rencontre le temps froid, un spectacle éblouissant s'empare du parc. Christian Millet a la chance d'habiter sur place. Il se lève aux aurores pour en profiter. Ce matin, on a une belle brume qui est juste sur le dessus du sol. Et on a un petit givre sur le gazon et ça donne une vue absolument féerique. On est vraiment dans... En plus, on n'a personne. Donc là, c'est vraiment... On n'a pas de bruit, on a juste les oiseaux. On a vraiment l'impression d'avoir privatisé le château. Christian Millet doit ce privilège à sa fonction. Il est l'un des photographes officiels du château. Il sait tout ce qu'il s'y passe depuis maintenant 50 ans, car il a grandi à Versailles, où son père était tapissier. À partir de 12 ans, j'ai commencé à faire de la photo dans le parc. Et le rapport que j'ai avec Versailles, c'est un rapport amoureux, si je puis dire. Nous avons des statues, nous avons de la verdure, nous avons de l'architecture. Donc en fin de compte, tout est beau à Versailles et vous avez l'impression que vous n'avez jamais fait le tour. Pour un photographe, c'est merveilleux. Ce matin, Christian Millet se rend dans un lieu interdit au public pour photographier un chantier spectaculaire. Il se déroule au premier étage du château, dans la salle des gardes de la reine. Le photographe arrive dans la phase finale de la restauration du décor de ce plafond. Le chantier a commencé il y a 22 mois. Il y a eu pas mal de changements. Voilà. Plutôt des détails, peut-être. D'accord. C'est l'un des plus impressionnants en ce moment à Versailles.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder très très près des objets. Là, on est quand même à quelques centimètres. D'habitude, vous êtes à 10 mètres du plafond, donc vous n'avez pas du tout le même ressenti. Là, vous avez vraiment l'impression, vous êtes dans la peinture. C'est presque de l'intimité avec l'œuvre. Vous voyez le moindre regard, le grain de beauté que d'en bas, vous ne pouvez pas voir. Et donc, mon travail consiste aussi à faire ressentir l'œuvre par rapport à la photographie. La dernière fois que le photographe est venu ici, c'était pour immortaliser l'état de ce plafond avant restauration. Des infiltrations avaient fait de considérables dégâts. L'état de conservation était très alarmant parce que les peintures étaient très soulevées et menaçaient de tomber. Et puis il y a l'état aussi esthétique. Il y a l'appréciation esthétique qu'on a d'une œuvre qui était complètement perdue. On n'avait plus l'appréciation esthétique de ce qu'était la peinture de Coypel. On n'a plus la matière, on n'a plus les couleurs. C'était vraiment assez catastrophique. Peu à peu, les restauratrices retrouvent l'œuvre de l'un des peintres préférés de Louis XIV, Noël Coypel. Il a représenté ici des figures antiques auxquelles le roi aimait s'identifier, comme le dieu Jupiter, ou encore ses personnages historiques, Solon, Ptolémée ou Trajan. Sur cette scène en particulier, une étonnante découverte a été faite. Ce drapé apparaissait totalement rouge au départ. Après nettoyage, une autre teinte s'est révélée. Les restaurateurs du XXe siècle ont parfois pris des libertés que l'équipe de Florence Delteille corrige aujourd'hui. En fait, les repeints avaient modifié complètement les couleurs d'origine, puisque le drapé était repeint en jaune, alors qu'à l'origine, il a un beau coloris mauve avec des ombres pourpres bien typiques de Coypel. Ce qui est appréciable à la fois par nous et puis par les conservateurs qui viennent sur le chantier et qui suivent le chantier, c'est d'avoir retrouvé le coloris de Coypel et puis sa matière, son écriture, la matière de la peinture, la façon dont il pose ses coups de pinceau. Voilà, on a retrouvé ça. Une autre surprise est apparue au plafond. Lorsqu'on a enlevé tous les repeints qui étaient apposés sur le ciel autour de Jupiter, les repeints, c'est-à-dire qui avaient été mis dans les années 50, 60 et avant, on a retrouvé un poteau, donc ce petit personnage, qui était complètement caché. Donc le nettoyage a permis de retrouver celui-ci. Il y a une émotion quand on trouve quelque chose d'original comme ça, qui était caché pendant des dizaines d'années. Le public peut se dire, ah bon, voilà, l'iconographie est changée, mais non, c'était à l'origine comme ça. Donc oui, c'est des actes importants, en fait, qu'on fait. Avec son château de 2300 pièces et son parc de 800 hectares, Versailles est un chantier permanent. Tout commence dès son origine, en 1662. Il ne s'agit alors que d'une maison de campagne, à 2 heures de cheval de Paris. Louis XIV veut s'y installer, alors il lance les premiers grands travaux. En 1670, inspiré par les villas italiennes, il fait envelopper la façade côté jardin de pierre blanche. Les deux ailes du château sont alors séparées par une terrasse. Peu commode et très exposée aux intempéries, elle est remplacée en 1678 par l'emblématique Galerie des Glaces. Une salle d'apparat extravagante, à l'image des chantiers suivants. Une nouvelle aile est ajoutée au château. Deux écuries gardent désormais son entrée et plusieurs nouveaux bâtiments sont érigés. En 1682, Versailles devient la capitale du royaume. Louis XIV y installe sa cour. 10 000 personnes s'activent en permanence autour de lui. Symboliquement, il décide à la fin de son règne de déplacer sa chambre au centre du château. À cette époque, Louis XIV est de plus en plus croyant.
et il fait ériger dans l'une des ailes une superbe chapelle. Ce chef-d'œuvre de style gothique sera le prochain grand chantier de Versailles. Cet édifice, en fait, tranche sur le reste, une monumentale horizontale, et ici, on a un jaillissement vertical. Et donc, symboliquement, la chapelle est le seul élément qui émerge, en fait, de la silhouette du château, et ce qui va manifester le fait que la demeure de Dieu est au-dessus de la maison des hommes. Donc, il y a là une volonté manifeste d'assurer son salut et de se rapprocher de Dieu. C'est le dernier chantier de Louis XIV, le monarque se tourne vers la vie éternelle. Battu par les vents et les pluies, ce bâtiment si cher à Louis XIV souffre terriblement de son élévation. Il y a urgence à le restaurer. Ça, c'est très dangereux parce que c'est des morceaux qui menacent de tomber sur le public, hein, qui est en dessous. Donc on est dans des choses qui, ici, sont totalement, totalement dangereuses. Hein. Et là, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est une question de sécurité. Même constat pour les sculptures. Les vitraux et les murs. Donc les pierres s'érodent et tombent complètement. Et on est, c'est pas des têtes de cœur, on est vraiment obligé de faire quelque chose. Regardez ici les fissures. Et ça, c'est très mauvais, c'est une pénétration d'eau qui fait qu'en dessous, il faut pas oublier qu'on a des peintures. Donc c'est extrêmement fragile. Alors au passage, il ne faut jamais oublier que la chapelle, elle a été construite et entretenue par des artisans. Alors il y a des graffitis très anciens qui en général ont été faits par les artisans qui entretenaient celui-ci de 1778. Ça c'est un graffiti du 18e siècle. Vincent, 1827, ici, Montigny, on a vraiment des tranches de vie qui sont inscrites ici. Autre sujet de préoccupation pour Frédéric Didier, la charpente. Elle souffre d'importants problèmes de stabilité. La charpente est magnifique, mais elle est très lourde. Et elle a presque du mal à porter son propre poids. Ici, on est dans un immense volume qui normalement est dégagé. Les contraintes de sécurité provisoires qu'on a fait coupent ce volume. Elle est absolument gigantesque, elle fait 12 mètres. De hauteur, c'est la taille d'un immeuble de 5 étages. À l'autre extrémité, il y a des infiltrations. Vous voyez, tout ça, ça fuit. C'est complètement pourri. On a été obligé de mettre des seaux qui, vous voyez, sont pleins d'eau de la dernière pluie. Et vous voyez combien, ici, on a des soucis. Le bois est attaqué. Donc, et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bientôt, la toiture sera déposée et la structure totalement mise à nu. Chaque pièce sera traitée, réparée. Ce sera l'une des premières phases d'un chantier qui va durer 3 ans pour sauver le dernier grand œuvre de Louis XIV. C'est un chantier de l'ampleur du grand chantier de restauration de la Galerie des Glaces. Vous êtes pris par la qualité extraordinaire des lieux. On travaille avec une sorte de foi chevillée au corps, hein, c'est tout. On est quelque part, on renoue avec les bâtisseurs de cathédrales en faisant des chantiers comme celui-ci. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chapelle, comme tous les jeudis, des musiciens répètent sous la direction d'Olivier Schnibeli. Aujourd'hui, ils interprètent un morceau composé pour les messes matinales du roi, par Michel Richard de Lalande. Le style est baroque, c'était le préféré du roi Soleil.
général, vous m'attendez pour faire le tremblement. La messe du roi, c'était extraordinaire. C'était une messe basse, donc l'officiant disait la messe face à l'autel, à voix basse. Et pendant ce temps, le roi était sur son prie-dieu là-bas, à la loge royale. Toute la cour était, bien sûr, pas assise, mais debout et tournée vers le roi, pas du tout vers l'autel. La musique se déroulait au niveau du grand orgue. Et c'était en gros un concert. De toute façon, Louis XIV, c'est un amoureux absolu des arts et surtout de la musique. On sent vraiment quand on joue, c'est l'endroit dans lequel ce qu'on joue a été écrit, qu'il a été prévu pour résonner dans ce lieu. Parce qu'en fait, déjà, on joue sur des instruments d'époque, des copies d'instruments anciens. Et quand on joue dans une salle moderne, une église moderne, on ne se rend pas compte vraiment de ce que ça donne. Alors que là, on est dans le vrai lieu, ça marche bien, ça sonne directement, la lumière naturelle est magnifique. Moi, je me sens dans la peau d'un bassoniste du XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV, qui fait vraiment son travail d'accompagner le chant. Parce qu'à Versailles, tout est possible, ces concerts continueront pendant les travaux. De l'autre côté du château, dans l'appartement du dauphin, une découverte vient d'avoir lieu. Frédéric Didier a dépêché le photographe Christian Millet pour l'occasion. Faut quand même se pincer pour se dire qu'on est au château, hein. Le mobilier et les cloisons ont été retirés pour des travaux de gros œuvres. Merci, Christian. Dans ce Capharnaüm, des vestiges méconnus ont refait surface. Ça, c'est formidable. Derrière les boiseries se cachaient des dessins réalisés par les artisans du XVIIe siècle. Ici, une tête d'ange. Là, un croquis de travail. Un témoignage inédit de la naissance de Versailles. En fait, ils ont tracé sur le plâtre, ils ont incisé et tracé en fait leur panneau de boiserie. Avant de passer à l'exécution, ils dessinaient à grandeur pour voir si c'était bien, si la proportion allait bien. Nous, on ne peut pas prendre de recul, mais finalement, ça leur permettait de voir ça. Et alors, ce qui est formidable, c'est que là, il y a le menuisier qui a dessiné tous ses profils de moulures. C'est absolument extraordinaire. C'est très émouvant parce que vraiment, on replonge dans le chantier. Il ne faut pas oublier qu'une maison comme Versailles, ce n'est pas que Louis XIV tout seul. Hein. Ouais. Ce n'est pas que Louis XV ou Louis XVI tout seul. C'est des gens qui mettent leur savoir-faire, leur qualité au service de quelque chose de grand. C'est le témoignage des humbles, des obscurs, des sans-grades. C'est pas le roi, mais c'est ceux grâce à qui il a fait les choses. Donc on a l'impression d'avoir ouvert un livre d'histoire où on a les pages qui se tournent. On ne peut pas se lasser. Enfin, je veux dire, c'est tellement beau. Regardez comme c'est fin. Donc quand vous voyez ça, c'est magnifique. C'est même à la limite, on trouve que c'est dommage que ça va être recouvert par des boiseries qui seront aussi belles. Hein. Je veux dire, c'est pas. Mais voilà, c'est des choses qui vont être recouvertes et donc plus visibles du public. Au même moment, sous les fenêtres du roi, un nouveau chantier débute. Étienne Wiedemann et Azzurra Palazzo font partie de l'équipe de restauration des sculptures. Tu les as testées, là ? Aujourd'hui, c'est jour de toilette. Je suis en train de nettoyer les dépôts naturels, la poussière, les insectes, de la sculpture, voilà, pour pas que tout ce qui fait des taches foncées, finalement, on le retire pour retrouver le marbre blanc. Alors, par exemple, on a un petit dépôt noir à cet endroit, et normalement, rien qu'un coup d'eau, voilà, déjà, permet de l'enlever. C'est un contact direct avec les sculptures, donc avec des grands chefs-d'œuvre. C'est un côté vivant, c'est la puissance de la sculpture, la nervosité des volumes. Enfin, c'est quelque chose de très beau, en fait. On est bien conscient de ses privilèges, on en profite au maximum.
Ceci n'est que le début d'un important chantier pour ces restaurateurs. Ils sont en charge du plus grand musée au monde de sculptures en plein air. ...386 œuvres d'art ornent le domaine de Versailles. Elles ponctuent les jardins et les bosquets. Ce sont presque toutes des figures antiques, résultat d'un caprice royal. Au XVIIe siècle, Louis XIV demande qu'on copie les grandes sculptures admirées en Italie pour faire de Versailles une nouvelle Rome. Mais trois siècles plus tard, ce musée est de plus en plus fragile. Et certains socles sont orphelins de leurs œuvres. Elles ont été transportées dans l'atelier de sculpture du château. Véritable clinique pour statues en danger. Donc là, vous avez le buste de Domitien, donc un empereur. C'est un des bustes qui a le plus souffert de l'érosion et des intempéries, puisque la surface du marbre, là, vous voyez, est totalement désagrégée. Si bien que les traits du visage et même les détails de la draperie ont comme fondu. Ouais. Bah là, c'est la surface est en train de tomber, quoi. Et ça, c'est dû aux actions des pluies qui sont, à cause de la pollution, chargées en sel. Et le sel pénètre le marbre, parfois jusqu'à cœur, et le rend ce qu'on appelle saccharoïde, c'est-à-dire qu'il est comme du sucre. Aujourd'hui, Lionel Arsac a la lourde responsabilité de superviser une opération de sauvetage peu banale. La réalisation de la copie de cette statue, qui représente la déesse Cérès. Elle est trop abîmée pour retourner dans les jardins. Donc, vraiment, quand j'enfonce, c'est que juste la pointe comme ça, c'est qu'il va pas assez. Ouais, ça fait creux, là. Cette équipe de statuaires mouleurs prend aujourd'hui l'empreinte de l'original. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose, là, effectivement, toi. Ça m'impressionne parce que l'œuvre est quand même entièrement recouverte d'élastomère, hein, c'est ça ? Exactement, oui. Et en même temps, il y a une certaine beauté, oui, de regarder les coulures comme ça partout. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'original est dessous. Je trouve ça angoissant. Mais bon, je sais que ça ne craint rien. L'élastomère, en fait, est une matière donc à la base un peu visqueuse, qui prend au micron près, en fait, le moindre détail de la statue. Donc, si jamais il y avait le moindre petit défaut, la moindre petite fleur, une boucle ou autre, on le mettrait, par exemple, sur la main, ça prendrait toutes les empreintes digitales de la main. Cette œuvre, on sait que Louis XIV, quand il l'a vue, se serait exclamé que c'était une des plus belles femmes qu'il ait vues. Et en effet, c'est un des chefs-d'œuvre de Pouletier. On reconnaît toute la grâce de cette femme, comme ça, qui tient une gerbe de blé. C'est vraiment la personnification de l'été. Adélaïde a la chance de commencer son apprentissage sur ce chantier. C'est son premier, tout premier chantier. Premier chantier, donc c'est la première fois que je touche un original et que je suis en contact vraiment avec un original. Et alors ? Bah c'est hyper enthousiasmant, c'est impressionnant et c'est vraiment un super métier. Quelques semaines plus tard, le moule de Cérès arrive dans cet atelier de Seine-Saint-Denis. Pour ressembler le plus à l'original, ce double sera réalisé en poudre de marbre et résine. Un mélange qu'il faut désormais appliquer sur la surface du moule. Je vais vivre avec elle pendant 5 petites semaines, donc on va créer de la complicité. Non, je vais la connaître par cœur parce qu'il va falloir que j'aille vraiment dans tous les coins pour vraiment, vraiment, vraiment être fidèle à l'original. C'est un tête-à-tête qui est agréable. Et puis, il y a le résultat de pouvoir aller à Versailles et dire oh, « ben, moi, c'est moi qui l'ai fait ». Ça, c'est chouette. 1, 2, 3. Un mois plus tard, Cérès apparaît. Waouh,
Elle est belle, hein. C'est chouette, hein, elle est bien. Hein. Ouais, c'est quand même un peu l'aboutissement de plusieurs semaines de travail, donc c'est toujours intéressant. Ouais, puis on se rend vraiment plus compte que quand on regarde juste le moule, quand on regarde le négatif, on imagine toujours la pièce, on l'a vue en photo, on sait comment elle est, mais là, le fait de l'avoir vraiment sortie et en positif, elle est chouette avec son grain et tout, elle est belle. Ouais. 1, 2, 3. Yes! C'est bon, tout est sorti. Il y a une pièce, ouais. Ok. Après des semaines de tête-à-tête, Élodie Boissy va enfin découvrir la déesse. On la lève, Francky? Le plus dur reste à faire. Longue de 3,10 m, la pièce est difficile à bouger. Voilà, là, la coucher complètement et démouler à l'horizontale le dos. Parce que vu la hauteur et l'empiètement qui est pas très large, là, je pense qu'il va falloir être du monde. Ouais. Pour la première fois, ils essaient une nouvelle technique. 3. Est-ce que quelqu'un voit les... Non. Là-bas? Ouais, c'est bon, on va y arriver là. On est sur le matelas ou pas? On y arrive. Les bois vont céder. On est sur le châssis. C'est très bien. On est bien ou pas? Passer un petit peu de vent. Vas-y. Voilà. Okay. Attention, les jambes étaient pour les salés. Tu vas chez moi. 1, 2, 3. Ah ben voilà. Bon, on va l'enlever. On se sent fort. Mais on est fort. Oh, putain, elle est immense. Salut. Je me rendais pas compte, allongée, qu'elle était aussi grande. C'est un des plus grands modèles qu'on ait eu à faire. Il y a 40 cm de plus que d'habitude. Incroyable. Moi, je suis petite, mais... Je fais la moitié d'elle. On est fiers de travailler pour Versailles. On se dit qu'on contribue à garder le patrimoine français présent. Et on est contents parce qu'en plus, c'est vraiment des très, très belles pièces. On est fiers. On y va. Alors, on part du pied gauche. Pendant ce temps, à Versailles, une opération à la rigueur militaire débute dans les jardins. Changement d'épaule. Le transport de l'un des plus anciens décors de théâtre à l'italienne du monde. Changement d'épaule. Une merveille qui vient d'être restaurée et qu'il faut désormais ramener chez elle, à près de 2 km à pied, de l'autre côté du parc. On tourne. On est en train de porter les toiles de fond du temple de Minerve. La longueur de près de 10 mètres est incompatible avec un camion. C'est un travail où tout le monde doit être parfaitement coordonné. Impossible de faire circuler un semi-remorque aussi long dans le parc, entre le château et le petit Trianon. La destination du précieux chargement. C'est l'écrin secret des passions de Marie-Antoinette. Derrière cette façade à l'allure discrète, un lieu magique a été totalement restauré. Voici le théâtre privé de la reine. Bon, on la déplie. Tu fais un autre chaise. Réinstaller ce décor du XVIIIe siècle est une opération délicate. En l'air. Et doucement. 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 Voilà. Robert, tiens, on descend. Tracé au fusain sur une toile de lin, rehaussé d'or, le temple de Minerve est à nouveau en place comme au temps de Marie-Antoinette.
À l'étage, Jean-Paul Gousset préserve un trésor. La machinerie d'époque. Il n'en reste plus que trois dans le monde comme celle-ci. Chaque pièce date de 1780. Il conserve aussi d'étonnants accessoires. Et ça, c'est... le tonnerre. Hier comme aujourd'hui, on a toujours eu besoin de bruitage. Imiter le vent avec une machine à manivelle, imiter le bruit du tonnerre. Ou alors un grondement plus lointain avec une brouette en bois dont on a fait une copie pour pouvoir l'essayer. La voici. Les roues sont octogonales et lorsqu'on les traîne sur un plancher, eh bien on jure d'un réel grondement de tonnerre. Et cette machine de Trianon a été copiée dans pratiquement tous les théâtres d'Europe parce que l'effet est surprenant et assez réaliste. Ici, Marie-Antoinette a même foulé les planches, n'hésitant pas à jouer le rôle d'une soubrette. Cette salle de spectacle n'était pas prévue dans les dépenses de la cour. Alors pour réaliser ce bijou, l'architecte Richard Mick a dû faire preuve d'inventivité. La décoration est imposante, mais c'était du toc. Il ne faut pas le dire, c'est du carton pâte. Et vous voyez ici, c'est exactement dans cette matière que sont habillées les consoles qui supportent les balcons. Même la dorure est fausse, c'est du cuivre. Mais il y a quelques matériaux nobles. On est quand même en présence du personnage féminin de la reine. Et les mains courantes sont en velours de soie. Extrêmement fragile, la moindre trace de doigt se voit. Le Grand Parc de Versailles, lui aussi, est en pleine renaissance. Il se relève d'un drame qui l'a profondément meurtri. C'était il y a 17 ans. Décembre 1999. Sous la violence de la tempête, 10 000 arbres disparaissent en quelques minutes. Les dégâts sont estimés à 151 millions de francs. Des arbres centenaires jonchent le parc comme ce tulipier de Virginie planté sous Marie-Antoinette et symbole de Trianon. Il faudra des décennies pour que Versailles se relève de ce cataclysme. C'est un arbre qui a été planté vers 1783, donc il avait déjà plusieurs années derrière lui. Nous avons tracé, nous, des graines en 1772. Donc c'est un arbre qui a mis 228 ans pour atteindre cette dimension et 2 minutes pour disparaître. Par solidarité, 3 mois plus tard, des Américains envoient par avion plusieurs spécimens de cet arbre originaire des États-Unis. Voilà, allez-y, c'est bon. C'est le début de la renaissance du parc. Depuis, les jardiniers ont retenu la leçon. Tiens, voilà, ça c'est pas mal ça. Aujourd'hui, ils bouturent des espèces rares et précieuses de Versailles pour pouvoir les reproduire en cas de malheur. Voilà, ça donnerait ça. Oui. Cette petite branche, c'est l'assurance vie du domaine. Un parc comme celui de Versailles vit depuis 400 ans. Il y a un monument historique, il y a des tableaux, il y a des tapisseries, il y a quantité de choses merveilleuses, mais il y a aussi un patrimoine végétal hors du commun. Et j'aime bien l'idée de me dire que mes arrière-petits-enfants verront peut-être un arbre que moi j'ai connu de mon vivant. D'où l'intérêt de reproduire en interne les végétaux. Cela nous permettrait également d'être réactifs face aux problèmes qu'il y a lorsqu'il y a un arbre qui vient à mourir, car les arbres, malheureusement, peuvent mourir subitement. Le parc dont s'occupe Alain Baraton compte désormais 350 000 arbres, parmi lesquels des espèces très anciennes,
et exotiques, comme ce sophora du Japon, qui a miraculeusement survécu à la tempête de 99, protégé par la façade du Petit Trianon. Il a plus de 200 ans. Il est grand temps de le bouturer. Alors, hop. L'un des tout premiers arbres plantés sur demande de Marie-Antoinette, eh bien, c'est justement ce sophora. Il faut se souvenir qu'avant les jardins de Trianon, le jardin était à la française et le sophora, de par sa forme, n'a pas vraiment sa place dans un jardin régulier. Elle va donc l'installer ici, cet arbre. Il a connu Marie-Antoinette, il a aussi connu des générations entières de jardiniers, il a connu des visiteurs, il a peut-être été le témoin d'une passion naissante. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce parc conserve son âme. Tout au nord du domaine royal, c'est un autre legs de Marie-Antoinette qui fait l'objet de grands travaux. Loin des ors du château, voici le hameau de la reine. L'un des endroits les plus surprenants de Versailles. On y trouve de la vigne. Une ferme qui abrite, comme au XVIIIe siècle, une basse-cour. Mais aussi 8 chaumières comme celle-ci, aux allures normandes et aux toits de chaume. Des matériaux si simples qu'ils ont mal résisté au passage du temps. Aujourd'hui, une équipe s'affaire sur les toits du hameau. Ici, la mousse et la végétation ont envahi le chaume. J'enlève la mousse pour que le toit respire un peu plus. La mousse garde l'humidité sur le toit et le toit ne respire pas. Philippe Le Déliou vient spécialement de Bretagne pour ce chantier. Comme ça, le toit est plus ventilé. Jamais il n'imaginait travailler un jour sur un bâtiment versaillais. Je ne pensais pas que la paille existait à Versailles. Au départ, c'est les paysans qui utilisaient la paille parce que ça ne coûtait pas cher pour refaire les toitures. Et donc, c'est les paysans qui récoltaient, qui gardaient des champs pour faire les toits. Et là, la reine voulait que l'apparence des bâtiments reste paysan. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. Le côté rustique de la chose. La première vue qu'on avait, c'était ça, c'était rustique. Et puis à l'intérieur, ça devait être magnifique. Si le hameau s'est autant dégradé, c'est à cause de l'humidité qui règne ici. Nous sommes sur les confins du domaine de Versailles. Il n'y avait ici que des marais à l'origine. Personne, aucun roi, ni Louis XIV, ni Louis XV n'avait songé du tout s'installer à cet emplacement. Et simplement, donc, la reine a décidé de construire ce hameau. Donc il a fallu drainer tous ces marécages pour créer ce lac. C'est un faux lac, c'est une fausse rivière. Tout est absolument faux et on a l'impression de se trouver dans un village au fond de la France à la fin du XVIIIe siècle. Au hameau, un seul décor intérieur a survécu, car il a été réalisé dans un matériau résistant, du marbre. Voilà, nous nous trouvons dans la laiterie de propreté, c'est-à-dire que c'est là que la reine et sa suite, les dames de la cour qu'elle invitait au Petit Trianon et donc au hameau, venaient prendre les laitages, les crèmes, etc., qui venaient directement de la ferme. Il faut imaginer la reine avec ses grandes robes, un peu légères malgré tout, puisqu'elle était ici à la campagne. Cette passion nouvelle de la reine pour les choses de la campagne n'est rien d'autre qu'une mode au XVIIIe siècle. La mode de la ferme ornée. Tout commence en Angleterre, où les lords prônent un retour à la nature. Leur concept conquiert le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui fait construire une ferme ornée en Virginie. En France, c'est le prince de Condé qui implante le premier la sienne au château de Chantilly. Il sera rapidement imité par Marie-Antoinette, qui commande sa ferme ornée en 1783. Il
Le retour à la nature, c'était en fait tout simplement une mode à la fin du XVIIIe siècle. Si vous voulez, les monarchies vacillaient un peu sur leur base, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour se ressourcer, on voulait retourner à l'essentiel, c'est-à-dire au travail de la terre, les hommes, le pouvoir royal qui était proche de ses sujets, si vous voulez. Et le but du hameau avait été fait essentiellement, avant tout, pour l'éducation du dauphin dans son rôle de futur roi de France. D'ailleurs, les rafraîchissoirs sont à son effigie. Et la tour qui surplombe cette laiterie porte le nom de sa comptine préférée, la tour de Malbrouck. Haute de 3 étages, elle offre un superbe panorama. C'est l'un des plus beaux endroits de Versailles, un endroit très méconnu. On domine toutes les frondaisons des arbres, ces maisons très rustiques avec leurs toits de chaume qui sortent de toute cette verdure. C'est un endroit tout à fait extraordinaire. Pour le rendre encore plus extraordinaire, Jérémy Benoît s'est lancé un grand défi. Voilà, le remeubler. Quasiment terminé. Ouais, très bien. On a fini de coudre les bordures d'application sur les dossiers et les assises. Ouais, ça, c'est bien. Le mobilier Marie-Antoinette, vendu à la Révolution, a complètement disparu. Alors le conservateur s'est fondé sur un inventaire de 1810, le plus proche du style d'origine. Avec une logique toujours du lierre qui file vers les extérieurs. Vachement beau. La raison pour laquelle nous avons restauré en velours de soie jaune avec ce galon, c'est que tout simplement nous avons voulu reprendre au plus près les inventaires, justement, qui décrivaient assez bien, en particulier naturellement les couleurs, mais également les décors des galons. C'est quand même tout à fait exceptionnel, ce velours jaune totalement éclatant, en couleur bouton d'or, avec ce galon violet et or également. La particularité de ce velours, au-delà du fait qu'il est haut de gamme, c'est un velours qui est contraignant à travailler puisque ça marque énormément. Donc ça nécessite de travailler un petit peu avec les mains en lévitation. Les traces de doigts qui s'éternisent un petit peu sur le poil, ça écrase et ça peut le marquer vraiment définitivement. J'avais un peu les doigts comme ça. Ce fauteuil à l'étoffe prestigieuse est aussi doré à l'or fin. Un luxe en totale contradiction avec l'extérieur des bâtisses. C'était voulu. L'idée était de faire des maisons très rustiques en ménageant une surprise à l'intérieur. Il ne faut jamais oublier que le hameau, finalement, est un décor de théâtre. Hein. Il fallait ménager des surprises éblouissantes, et c'est le cas. On n'imagine pas un mobilier comme ça, ou un hameau, absolument pas. Au total, Jérémy Benoît a réussi à rassembler 60 pièces de mobilier raffiné. Celles dont la restauration est terminée sont stockées dans les réserves. Comme ce siège de billard. Voilà, vous voyez la grandeur, l'élégance et la majesté un petit peu de ce genre de fauteuil, qui sont avec quelques petites sculptures, hein, vous voyez ici sur les accotoirs, une certaine élégance. Hein. Et puis cette jolie couleur verte, comme le sera le dessus du billard, naturellement. Hein. C'est un jeu tout à fait traditionnel, surtout à Versailles, hein, puisque déjà Louis XIV était un grand amateur de billard. Alors à l'époque, on jouait avec des crosses. Hein. Ce n'était pas du tout des cannes comme de nos jours, où on tirait de face, si j'ose dire, sur la boule. Le hameau, c'est une maison de détente avant tout pour jouer à différents jeux. Il y avait même des meubles inutiles. Vous avez ici le lit du hameau. Bien sûr, il y aura de très grands rideaux de couleur vert d'eau, très pâle, et d'une très très grande élégance, très féminine bien sûr. Mais bon, on voit très bien que c'est un lit qui n'était pas fait pour être utilisé journellement. On sait très bien que personne ne dormait au hameau. Dans tout château, et le hameau est un château éclaté en plusieurs maisons si vous voulez, il se doit d'y avoir un appartement. Hein. Donc il y en avait un, bien entendu, pour Marie-Antoinette, mais de toute façon, ce n'était pas fait pour être utilisé. Personne de vivant de nos jours n'a vu le hameau meublé. Donc ça va être une découverte pour tout le monde, aussi bien pour les personnes qui mènent le chantier que pour les visiteurs futurs, bien sûr, qui viendront voir. Donc ça, on va se rendre compte d'un seul coup de ce qu'était le hameau et de ce décalage qu'il y avait entre les extérieurs et les intérieurs, plutôt extrêmement élégants et raffinés.
Début juillet, le double de Cérès, la déesse des moissons, retrouve les jardins de Versailles. Pour cet événement rare dans la vie du château, Christian Millet, le photographe officiel, a été dépêché. Ce genre d'événement rend toujours vivant parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes du temps du roi et que la statue arrive. Et ça, c'est d'être à ce moment-là, à cet endroit, c'est génial. C'est une page d'histoire de l'établissement. La statue pèse 900 kilos. Et son poids n'est pas équitablement réparti. Elle est beaucoup plus lourde en haut et peut à tout moment se briser. Pour Élodie Boissy, l'instant est crucial. Un petit peu de stress, tant qu'elle sera pas posée de façon... Ça a l'air bien de se passer. Après une heure de manœuvre... Il la passe derrière, devant ta chaîne. La plus belle femme que Louis XIV ait côtoyée a retrouvé sa place au parterre de la Tonne. Le transport, ça fait toujours des petites traces, quoi. Donc, comme ça, on est sûr de ce qu'on livre et au moins la petite touche finale. Jusqu'au bout, Élodie Boissy veille sur elle. Ça sera parfaite. Après, elle va vite prendre la patine du jardin, mais elle sera encore plus belle. Une pièce exceptionnelle, ouais, dans un jardin exceptionnel. Ben voilà. Juste à l'entrée du domaine, côté ville, un lieu insolite revit lui aussi depuis quelques années. Les écuries du château. Depuis deux siècles, ces bâtiments en forme de fer à cheval avaient perdu leur vocation. Lève les yeux, ne te tords pas. Allez, galop, galop, bloque pas tes mains. En 2003, bien, les chevaux sont revenus pour le plus grand plaisir de Laure Guillaume. Maintenant, tu peux commencer à assouplir à gauche avec ta jambe gauche. C'est la plus ancienne écuyère de l'école d'excellence qui s'est installée ici et qui renoue avec la tradition équestre du Roi Soleil. Voilà. Encore. Avec ta jambe en même temps, que ton cheval se ploie dans ses côtes. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, il s'avère que toutes les disciplines qu'on pratique ressemblent complètement à ce qui se passait à l'époque de l'école des pages sous Louis XIV. C'est quand même le berceau de l'équitation française. Je trouve ça assez sublime pour nous d'être là et en tout cas d'essayer vraiment de faire perdurer cette forme de travail dans tout le respect qu'il se doit. Bonjour. Ça serait bien de ranger les cotons qui sont accrochés. Laure Guillaume a été le témoin privilégié du renouveau de ses écuries. Parmi les plus belles du monde. Chaque box est fait de bois précieux et de ferronnerie. Mais c'est un autre élément de décor que la cavalière préfère. Patrick Bouchain, notre architecte en fait, qui a réhabilité le lieu, a souhaité faire des box qui restent un peu, qui soient très harmonieux avec l'espace, avec les écuries. Et donc, il a eu cette idée assez marrante de faire ce qu'on appelle les licornes, en fait, ces néons comme ça qui nous servent à éclairer les box. La première fois, j'ai eu la chance de visiter les lieux alors qu'on n'était pas installé, qu'aucun travaux n'avait été fait. Quand on est rentré dans les écuries, j'avais un pincement au cœur. Et ne parlons pas du jour où on a débarqué les chevaux qui venaient d'Aubervilliers, qu'on a descendu nos chevaux qui ont foulé le pavé alors qu'il n'y avait plus de chevaux depuis des siècles. C'est formidable. C'est beau, hein, celui-là. À l'époque, 30 chevaux et 12 cavaliers s'installent à Versailles. Certains animaux sont impressionnés. Allez, allez. À ce moment-là, les travaux de l'académie ne sont pas encore terminés. Là, tu verras, il y a des palettes, ils vont monter dessus. Il reste une pièce majeure et fragile à installer. Un lustre en verre de Murano.
Benjamin, mets-toi. On lève un peu. Au nombre de 15, ils ornent le nouveau manège. C'est ici que les écuyers répètent le spectacle qu'ils donnent une fois par semaine. Face à eux, le public siège dans un petit théâtre à l'italienne. Avec ses loges, ses lumières douces et ses miroirs. Clin d'œil à la Galerie des Glaces. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est les détendre un peu en reprise, faire des diagonales décalées, travailler un peu au pas. L'écrin est unique. C'est privilégié de pouvoir déjà vivre tout simplement de sa passion. Et ensuite, pouvoir jouir de ces lieux magnifiques. C'est le rêve, de beaucoup de gens. Donc moi, j'ai entièrement conscience de ma chance, entièrement conscience. Aujourd'hui, ce ballet équestre est devenu un incontournable dans la vie de ce château, en perpétuelle renaissance. Je vous retrouve dans les jardins de Versailles, un majestueux musée à ciel ouvert. Et là encore, eh bien, les travaux de restauration ne s'arrêtent jamais. L'un des prochains se déroulera ici, au bassin d'Apollon, l'un des plus beaux du domaine. Vous apercevez Apollon qui jaillit de l'eau sur son char avant d'entamer sa course au-dessus de la terre. En arrière-plan, vous apercevez l'allée qui mène au château. Elle a été entièrement redessinée, repensée. Les arbres ont été élagués ou replantés pour retrouver la perspective qu'avaient Louis XIV et sa cour au XVIIe siècle. Il faut dire qu'après la tempête de 99, on a réellement pris conscience de la beauté, mais aussi de la fragilité de ce patrimoine végétal qu'il faut désormais préserver. Quant aux statues, vous l'avez vu dans notre sujet tout à l'heure, elles ont été restaurées ou remplacées par des copies. Et les originales, eh bien, se trouvent dans un bâtiment pas très loin d'ici, un bâtiment normalement interdit au public. On vous y emmène maintenant. Nous pénétrons dans la petite écurie érigée par Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV. Ce bâtiment magnifique abrite l'une des plus belles collections de sculptures de Versailles, mais aussi du musée du Louvre. Je voulais vous faire découvrir ce vase tout à fait unique. Il est en marbre sculpté, il mesure 2 mètres de hauteur, c'est le plus grand au monde, et on l'appelle le vase de la guerre. Pourquoi ? Eh bien parce que cette œuvre d'art, voulue par Louis XIV, est aussi une œuvre de propagande. Regardez cette scène, elle illustre la victoire des Français face aux Turcs en 1664. Et dans le détail, on aperçoit un guerrier enturbanné, terrassé par Hercule et par la France. La France qui est représentée par une femme avec son épée, son bouclier, son casque surmonté d'un coq. Voici le colérique, il fait partie d'une série de 4 sculptures exprimant les tempéraments de l'homme. C'était une commande également de Louis XIV et le sculpteur s'est inspiré d'une statue très célèbre à Rome, place du Quirinal. Il pourrait s'agir de Castor ou de Pollux, deux figures mythiques de l'Antiquité. Versailles aussi a sa Joconde, c'est le surnom donné à ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle. Vous apercevez ces chevaux du soleil qui viennent de terminer leur course dans le ciel. Ils encadrent la pièce maîtresse, c'est Apollon au repos, entouré des nymphes, des figures féminines très gracieuses mais aussi très dénudées. À
Apollon, omniprésent ici à Versailles pour symboliser Louis XIV, ce roi bâtisseur. Rien n'est trop beau, rien n'est trop grand pour celui qui veut s'inscrire dans l'histoire. Et d'une certaine façon, il partage les rêves d'éternité des pharaons d'Égypte. C'est là que je vous emmène maintenant. Alexandrie, Louxor, la vallée des rois, un siècle après Champollion, les archéologues continuent à percer les mystères de tombes exceptionnelles. Agnès Molia, Jacques Plaisant. À Louxor, le soleil se lève dès 5 heures du matin. Pour ces archéologues français, la journée commence. À leur tête, Isabelle Régène. Elle est spécialiste des textes de l'Égypte antique. Chaque année, au mois d'octobre, depuis plus de 10 ans, ils fouillent en plein désert. J'envisage pas d'étudier une civilisation sans me rendre sur le terrain. On attend ça, en fait. Une dizaine de personnes ensemble pendant à peu près un mois. On se retrouve chaque année et tous, on s'apprécie. Il y a des jours où c'est plus ou moins dur, mais on est quand même content d'y aller. Il se dirige vers un massif montagneux situé sur la rive ouest du Nil. La matinée commence à peine et la température atteint déjà 40 degrés. Sabah el khir, ya Sayed. Sabah el khir, ya Hassan. Zayek. Ils vont passer plus de 8 heures dans une tombe étouffante, la TT-33. Allez, on va mettre les masques. Dans ces boyaux, l'air est irrespirable. On va mettre les masques anti-ammoniaque et anti-poussière. Pourquoi les masques anti-ammoniaque ? Anti-ammoniaque parce qu'il y a eu pendant très longtemps des chauves-souris dans cette tombe. Et du coup, elles ont laissé des souvenirs odorants, on va dire. Et notamment, le gaz ammoniaque est très, très fort, surtout quand on descend dans les niveaux inférieurs. Donc, on se protège en mettant un masque anti-poussière et un masque anti-ammoniaque. Mais là, on va le revêtir en fait un peu plus profondément dans la tombe. Là, pour l'instant, on reste sans. Voilà. L'équipe s'enfonce sous terre. Au 19e siècle, plusieurs explorateurs ont perdu la vie dans ces couloirs. On sait qu'elle est, obscure, elle est dangereuse parce qu'il y a des puits. Et surtout, les gens parlent de millions de chauves-souris qui viennent troubler le voyageur, éteindre son flambeau, enfin le perturber dans sa visite. Et donc, c'est une sorte de tombe maudite et on ne peut pas, on conseille de ne pas s'aventurer dans ces catacombes, c'est le nom qu'on donne à l'époque. Afin d'éradiquer les chauves-souris et éviter les accidents, la tombe a été murée à la fin du 19e siècle. Cette porte-là, donc qui donne accès à la salle 4, était plâtrée, on voit encore les traces. Et donc ça a empêché l'accès au reste de la tombe et au reste des textes. Et on ne savait pas ce qu'il y avait ensuite. Pendant plus d'un siècle, 90% de la tombe est donc inaccessible. Jusqu'en décembre 2005, où une équipe de l'Université de Strasbourg, dirigée par le professeur Claude Tronecker, obtient enfin l'autorisation de percer le mur. Isabelle Régène est présente. Elle filme cet événement. Le mur tombé, les archéologues pénètrent dans un incroyable labyrinthe, truffé de puits. Les couloirs s'étendent sur plus de 300 mètres. La TT-33 est la plus grande tombe jamais découverte en Égypte. Elle est formée de 22 salles souterraines, réparties sur 3 niveaux. Et elle réserve bien des surprises aux archéologues.
En décembre 2005, enfin, on rentre dans cette salle et donc on commence à découvrir les textes un à un. Et vous voyez, on est déjà émerveillé par la finesse des détails. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des frises d'objets, ici des colliers. Là, vous avez toute une série de pagnes, des pagnes de différentes formes. Et tout ça, ça représente quoi ? Tout ce dont le mort a besoin, tout son équipement en fait pour l'au-delà, sa valise pour l'au-delà. Les archéologues découvrent que les murs sont entièrement recouverts de milliers de hiéroglyphes. Mètres carrés de décor, du jamais vu pour les scientifiques. Mais qui a pu se faire édifier un tel monument ? Un pharaon ? Un grand prêtre ? L'équipe française a découvert la personnalité du propriétaire des lieux. Il a vécu 650 ans avant notre ère. Le propriétaire, le voici. Donc, vous avez ici Paddy Aménopé qui nous accueille. Ce qui est assez étonnant, c'est que cet homme a une tombe gigantesque. Et on s'attend à trouver des titres qui montraient qu'il était un homme de pouvoir, qu'il avait des fonctions de premier ordre dans le gouvernement. Or, ce n'est pas le cas. Les titres qu'il porte, c'est avant tout des titres d'intellectuel. On sait qu'il était prêtre-lecteur. Et ce titre de prêtre-lecteur indique que c'était un spécialiste des textes, un spécialiste des rituels, et qu'il passait ses journées à étudier les textes, à les mettre en œuvre, à les psalmodier, à mettre en œuvre des rituels. La personnalité de Paddy Aménopé intrigue les égyptologues. Et si cette tombe était un grand conservatoire, destiné aux générations futures ? C'est ce que semble indiquer ce message, gravé à l'entrée d'une des salles. On est vraiment étonné de lire cette inscription, donc qui est un appel aux vivants. Et donc il s'adresse, le défunt s'adresse aux vivants, à ceux qui sont sur Terre, à ceux qui sont déjà nés, à ceux qui naîtront, donc d'une certaine manière c'est nous. Et il leur dit aussi d'entrer dans cette tombe et de voir ce qui est en elle. Et ça correspond au texte qui couvre cette tombe absolument exceptionnelle. Paddy Aménopé fait de sa tombe une véritable bibliothèque, dont les premières salles devaient être accessibles aux visiteurs. Ceux-ci découvraient alors sur les murs une anthologie des textes funéraires. Les plus anciens datent de plus de 2000 ans avant la construction du tombeau. Ces textes-là se sont transmis depuis le temps des pyramides jusqu'ici dans la tombe de Paddy Aménopé. C'est comme si nous, aujourd'hui, on s'intéressait aux textes du début de l'ère chrétienne. On voulait tous rassembler tous les textes qui ont existé depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours et qu'on les rassemblait dans un même endroit. Donc c'est vraiment une tombe bibliothèque, une tombe musée en quelque sorte. Isabelle quitte à présent la partie supérieure de la tombe pour s'enfoncer dans les profondeurs. On va emprunter ce puits pour descendre au niveau inférieur. Et là, on va mettre notre masque parce que le gaz ammoniaque est très fort. Et donc, il vaut mieux se protéger en revêtant le masque. Voilà. Là, vraiment, c'est très, très chargé en ammoniaque. Quand on va descendre, on va prendre le deuxième puits, ça va être encore pire. Et quand on sera dans le caveau, on aura même les yeux qui piquent. Donc il faut vraiment, vraiment s'équiper et travailler avec les masques ici. Pendant toute la journée, les archéologues travaillent au relevé des textes, dans cette atmosphère irrespirable. C'est vrai que parfois, il fait vraiment très chaud. Mais en même temps, on est tellement tranquille ici, j'adore ça. Je débranche mon cerveau, je me plonge dans les textes, c'est vraiment parfait pour moi. Là, on est vraiment dans la partie intime de la tombe, c'est-à-dire qu'on va pas, c'était pas accessible au public. Imaginez que le puits qu'on a descendu tout à l'heure, il était comblé.
Et donc, on n'avait pas accès à ces textes. Donc, ces textes-là, a priori, seul le défunt les voyait, mais pas le public. Isabelle Régène se trouve à présent à 20 mètres sous terre. C'est ici que se situe la chambre funéraire de Padiaménopé. Vous voilà dans le caveau, à la dernière salle de la tombe où se trouvait la tombe de Padiaménopé. Et là, on est saisi par l'atmosphère vraiment étouffante des lieux, qui est très humide. Il y a rien qui pique les yeux. Pas de traces de Padiaménopé. On n'a pas trouvé de traces du sarcophage ni de la momie. La tombe a été pillée sûrement très anciennement. On a simplement quelques petits restes de mobilier funéraire, c'est tout. Depuis quelques jours, Gaël et Olivier, deux membres de l'équipe scientifique, travaillent dans ces émanations toxiques. Ils mettent en œuvre la photogrammétrie de la tombe. Gaël est en train de faire un relevé extrêmement précis par photo. Et on va pouvoir recréer un modèle 3D avec une qualité photographique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir à la fois la précision au niveau hiéroglyphique, mais la précision aussi au niveau architectural. C'est un gros travail très intéressant. Conditions difficiles, mais c'est un joli terrain de jeu. Le résultat est époustouflant. Parfaitement éclairé, le caveau apparaît. Grâce à ce modèle numérique, l'ensemble des hiéroglyphes et des textes est désormais accessible. On peut même effectuer un voyage virtuel au cœur de la TT33. Emprunter les escaliers. Plonger dans les puits. ans après la mort de Padiaménopé, sa tombe bibliothèque parvient jusqu'à nous. Le lendemain matin, nous retrouvons Isabelle Régène. Elle s'apprête à effectuer un vol en montgolfière, au-dessus de la vallée des Rois. Ouais, exactement, on est là. D'accord. En face, on voit Tchefsou derrière. Elle souhaite photographier depuis les airs l'environnement de la TT33. Là, en face, vous avez donc la vallée des Rois. Et un petit peu devant, vous avez la tombe de Padiaménopé. Donc là, on est sur la rive ouest du Nil. Donc le Nil, il se trouve ici. Vous avez toute la partie des terres cultivées et la partie désertique, aride, qui commence brutalement avec la fin des champs. C'est juste extraordinaire. La séparation vraiment tranchée entre le vert et le côté désertique, c'est vraiment extraordinaire. La rive ouest est naturellement associée au coucher du soleil, donc aux morts. La majorité des nécropoles se trouvent sur la rive ouest. Ici débute une nouvelle ère, une nouvelle époque. Souvent, quand on change de dynastie, les rois vont choisir un nouveau lieu de nécropole. Et ici, ils innovent en choisissant donc la vallée des Rois, dissimulant leur tombe dans les replis de la vallée des Rois. «
La vallée des rois commence à être utilisée au début du Nouvel Empire, 1500 ans avant notre ère. Louxor se nomme alors Thèbes. La ville se situe à 700 km au sud du Caire, où se trouvent les nécropoles des premiers pharaons, comme Saqqara. Et bien sûr, les majestueuses pyramides de Gizeh, qui accueillent les rois de la 4e dynastie. Mais c'est à Thèbes, durant le Nouvel Empire, que la civilisation égyptienne atteint son apogée. Ici, pas de pyramide. Les pharaons ont dissimulé leur sépulture au cœur de la montagne. Aujourd'hui, Isabelle Régène a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'étudier les textes de la plus belle des 64 tombes de la vallée. La vallée des rois, c'est le nom moderne, mais en réalité, les Égyptiens l'appelaient la vallée ou le grand champ. Et comme on voit ici, donc, on marche sur ce qui correspondait à l'ancien sentier. Et à chaque fois, dans les flancs de la montagne, on trouve donc des entrées de tombes, des grands couloirs, des grands hypogées qui descendent profondément dans la terre. On est vraiment dans un lieu où on cherche à être discret et justement à essayer de protéger l'intégrité de la tombe. Ses collègues n'ont jusqu'à présent jamais pu pénétrer dans cette sépulture fermée au public. On va entrer dans la tombe de Séti Ier. Ça fait 15 ans que j'ai visité cette tombe, c'était déjà exceptionnel à l'époque. Surtout, c'est une tombe très très belle, très grande, et on est très heureux de pouvoir la revoir aujourd'hui. Chokran. Ah, t'as vu, Sylvia ? Oui. Le titre des Litanies du Soleil. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait une transition entre le jour et la nuit, puisqu'on est à l'entrée de la tombe et qu'on est en fait entre la lumière et l'obscurité. Donc là, on a le soleil de jour, le scarabée, et puis le soleil de nuit, qui est donc un homme à tête de bélier. On est en train de progressivement de changer de monde, laisser le monde des vivants pour aller dans le monde des morts. Les couleurs, les heures de l'âme droite, avec un serpent à trois têtes. C'est incroyable. Au pied du premier escalier, les architectes ont imaginé un stratagème pour protéger la sépulture. Ça, c'est ce qu'on appelle le puits de Sokar. Il est associé au dieu Sokar, au dieu des profondeurs. Puis, à l'origine, donc, le mur était bloqué, il était muré, il était décoré. Et donc, ça faisait penser aux éventuels pilleurs que la tombe s'arrêtait là et que le puits menait vers le caveau. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde d'abord le soleil. Hein. Il pénètre à présent dans la première grande salle, au décor éblouissant. Très impressionnant, c'est magnifique. La qualité de conservation, les couleurs sont sensationnelles, c'est vraiment, c'est superbe. Vous voyez ici la chouette, là par exemple, les ailes avec les petites plumes ou les détails du serpent, la qualité des reliefs, les couleurs, les scènes, les styles, c'est quelque chose de magnifique qu'on ne trouve pas, ailleurs. Sur les murs se déploie le livre des portes, un texte sacré qui associe l'âme du défunt au soleil. Comme lui, elle va voyager sous la terre durant la nuit pour renaître au matin. Il y a à la fois des guides pour la survie après la mort, et il y a aussi la description de tous les habitants et du monde inférieur, sa géographie, sa topographie, pour que le roi puisse justement se diriger. Il faut passer par là, devant telle porte, tel gardien, dire son nom, et on a besoin de connaître ça pour pouvoir survivre dans l'au-delà. Dans la salle suivante se trouve la fresque emblématique de cette tombe.
Elle est cachée dans cette niche. Voici la vache céleste. J'imagine l'émotion des premiers explorateurs qui sont rentrés comme ça en baissant la tête et qui tout d'un coup se sont retrouvés face à cette scène magnifique. La vache céleste qu'on voit ici, c'est l'image de la voûte céleste. Et donc il y a le dieu Shu qui soulève cette voûte céleste. Shu, c'est l'équivalent de l'air. Et on a aussi 8 petits dieux que l'on voit ici, qu'on appelle les dieux Hé, et qui sont des piliers qui vont aider à tenir la voûte céleste. Donc en fait, ce livre raconte comment l'équilibre du monde a été instauré. Passée la dernière salle, dite des 6 piliers, voici enfin la chambre funéraire. Avec son superbe plafond astronomique. Il représente le ciel de nuit, avec ses étoiles et ses constellations. Élaboré il y a plus de 3000 ans, ces peintures sont les mieux conservées de la Vallée des Rois. On est vraiment dans la partie la plus intime de la tombe, puisqu'il faut imaginer que se trouvait ici le sarcophage du roi, sarcophage en calcite, donc blanc, brillant, avec des signes bleus, aussi en faïence qui brillait, qui était vraiment magnifique, qui, hélas, aujourd'hui, se trouve à Londres parce qu'il a été emporté par un explorateur italien qui a découvert la tombe en 1817, Giovanni Belzoni. Quand il découvre la tombe de Séti Ier, l'archéologue italien est impressionné par la beauté du décor. Mais déception, tous les objets funéraires ont été pillés. Parmi les 64 tombes de la vallée, une seule est restée inviolée. Sa découverte a marqué l'histoire. En novembre 1922, Howard Carter et ses ouvriers découvrent les premières marches d'un escalier qui mène à une tombe royale. En pénétrant dans le caveau, l'égyptologue anglais ne se doute pas qu'il va découvrir le plus grand trésor jamais mis au jour en Égypte. L'archéologue est le premier à pénétrer dans un tombeau royal quasi intact. Tout autour du sarcophage, des milliers d'objets censés accompagner le roi lors de son voyage dans l'au-delà. Ils vont permettre aux chercheurs de mieux comprendre la vie quotidienne des pharaons. Aujourd'hui, pour découvrir le trésor de Toutankhamon, il faut se rendre au Caire, où certains de ces objets ressortent peu à peu de l'oubli. Au pied des pyramides de Gizeh, dans la banlieue de la capitale, les travaux du futur grand musée battent leur plein. C'est ici que les centaines de pièces retrouvées dans la tombe du pharaon seront bientôt exposées. Ces trésors, dont la plupart n'ont jamais été montrés, sont actuellement restaurés dans ce laboratoire. Depuis leur découverte en 1922, ils dormaient dans des réserves. Comme cette canne. Cette canne est vraiment un objet unique. Vous voyez ici, nous pouvons voir le cartouche du roi. Et en bas, nous voyons une scénette où on découvre le roi en train de combattre ses ennemis. Lors de sa découverte en 1922, Alfred Lucas, le restaurateur de Howard Carter, a protégé cette pièce avec de la cire. Et depuis, personne ne l'a touchée. Je suis peut-être la deuxième personne qui la tient dans ses mains depuis Alfred Lucas.
Mad Lopez. Plus de 3300 ans après la mort du pharaon, certaines de ses pièces permettent de pénétrer dans son intimité, comme ses sous-vêtements en lin. 140 ont été retrouvés dans la tombe. Ou cette paire de sandales, qui vient d'être entièrement restaurée. Ça, ce sont les photos des sandales quand Carter les a découvertes en 1922. Pour les conserver, ils ont appliqué dessus une sorte de cire. Mais quand les sandales sont arrivées dans les réserves du musée du Caire, en 1930, elles ont été stockées et en quelques années, elles se sont complètement détériorées. Et elles sont devenues comme ça. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'elles étaient complètement oubliées. C'est la première fois qu'on pourra les admirer. Comme ça, en les voyant, moi je crois que le roi faisait du 42. Les plus belles pièces de la tombe de Toutankhamon sont encore exposées au centre du Caire, dans l'ancien musée de la place Tahrir. Elles rejoindront bientôt le nouveau musée. Comme ce chef-d'œuvre, le masque funéraire du pharaon. 10 kilos d'or massif, surmonté par le vautour et le cobra, les animaux protecteurs de Toutankhamon. Un peu plus loin dans le musée, un autre grand pharaon attire les visiteurs du monde entier. Depuis plus de 3000 ans, la momie de Ramsès II défie le temps. Découverte à la fin du 19e siècle, elle passionne les égyptologues. Le professeur Ibrahim Badr veille sur elle depuis des années. La qualité du travail d'embaumement continue de l'étonner. En dépit de l'âge avancé de Ramsès II lors de sa mort, près de 90 ans, les embaumeurs ont réussi à nous faire parvenir le corps dans cet état incroyable. Les moindres détails de son visage ont été respectés, jusqu'aux cheveux, qui étaient blancs, mais qui ont été teintés avec du henné. Et regardez l'état des orteils, c'est vraiment étonnant. Tout cela nous montre à quel point la momification de son corps a été minutieuse. L'égyptologue italien Ferdinand de Bon, qui a été un des premiers à étudier la momie, raconte que ses bras étaient croisés. Mais quand ils ont enlevé les bandelettes, le bras gauche s'est brusquement soulevé pour se retrouver dans cette position. À tel point que les égyptologues qui entouraient la momie ont pris peur en croyant qu'elle bougeait. Par la longévité de son règne, 67 ans, et sa personnalité, Ramsès II a profondément marqué l'histoire de l'Égypte antique. Sur les rives de l'antique Thèbes, Christian Leblanc cherche depuis plus de 30 ans à percer l'intimité de Ramsès II. Ce soir, il traverse le Nil. Il se rend sur la rive ouest du fleuve. C'est là, non loin de la Vallée des Rois, que depuis une quarantaine d'années, il mène ses recherches sur un monument emblématique du pharaon. On a tendance à dire que la rive est, c'est la rive des vivants, la rive ouest, c'est la rive des morts. Mais en fait, ça, c'est un peu une idée très généraliste, en fait, parce qu'on se rend compte que sur l'autre rive, on ne va pas que chez les morts. On pourrait dire, je pense, on quitte la rive du dieu pour aller vers la rive du roi.
Le lendemain matin, au premier rayon du soleil, les ouvriers arrivent sur le site. Mahatma Gandhi. Bon. Mustafa Sayed Ahmed. Rashi Ahmed Ghenawi. Awad Sabar Awad. Mohamed Mahmoud Sayed Ahmed. Nous sommes en novembre. Et comme tous les ans, pendant plusieurs semaines, Christian Leblanc fouille ce monument. Le Ramesséum. Au fil des années, c'est toujours intéressant de voir comment le chantier évolue et de voir que ce temple est en train petit à petit de réapparaître hein, pour les parties qui avaient disparu, bien sûr. Donc c'est toujours une réjouissance de toute façon d'être là et de voir chaque matin le soleil se lever et puis éclairer petit à petit ce très beau monument de Ramsès II. La situation du Ramesséum, au pied de la montagne qui abrite les tombes des rois, a longtemps poussé les égyptologues à le considérer comme un simple monument funéraire. Mais grâce aux recherches de Christian Leblanc, on sait aujourd'hui que ce monument était un centre de pouvoir royal, appelé Château de millions d'années. Il y avait deux chantiers prioritaires quand le roi montait sur le trône. Il y avait son temple de millions d'années, là où nous sommes aujourd'hui, et la tombe royale dans la vallée des rois. Il se met en activité tout de suite, ce temple. Et même d'abord, avant même qu'il ne soit complètement achevé. Donc on voit très bien qu'il y a toute une organisation qui se met en place ici. Une organisation cultuelle, bien entendu, mais aussi administrative, économique, et même, je pourrais dire, socio-culturelle. Ici, tout est organisé afin d'exalter le pouvoir du roi. Jusqu'à la démesure, comme en témoigne ce colosse aujourd'hui à terre, avec ses 1200 tonnes de granit et ses 20 mètres de haut. C'est la plus grande statue jamais sculptée dans l'Égypte antique. Et là, on est dans une période de l'histoire égyptienne où la grandeur de ses règnes était justement à la hauteur de ses statues. Cette statue, elle provient des carrières d'Assouan. Donc à peu près 220 km au sud de Louxor. Et alors il a fallu bien sûr la débiter dans les carrières d'Assouan. Ensuite il a fallu le transporter jusqu'au port d'Assouan qui allait permettre son embarquement finalement pour venir jusqu'à Thèbes. Grâce aux fragments retrouvés sur place, l'équipe de Christian Leblanc a pu la restituer en image de synthèse. La voici dans toute sa splendeur. Ramsès y est représenté sous sa forme divine. Mi-homme, mi-dieu. Ramsès II apparaît dans l'histoire égyptienne comme une grande figure, un roi soleil. On l'a parfois comparé d'ailleurs à Louis XIV, hein, en fait. Ça a été un roi bâtisseur, mais ça a été aussi un législateur, ça a été un militaire de talent. C'est un personnage emblématique, il faut le dire, pour l'histoire de l'Égypte ancienne. Tout autour du temple, un ensemble de bâtiments économiques a été mis au jour. C'est le plus important jamais découvert en Égypte. Ici, s'élevaient des magasins et des entrepôts. Il y avait tout un ensemble de bâtiments qui étaient voûtés et qui recevaient, bien entendu, des denrées ou des produits. Tout arrivait par bateau, donc au port du Ramesséum. Ensuite, c'était livré, si vous voulez, il y avait des porteurs qui acheminaient les jars au fur et à mesure dans les magasins ou dans les celliers. Et puis, il y avait bien entendu un enregistrement qui se faisait. Donc, il y avait tout un personnel qui était en place, bien sûr, dans ce monument. Il y a un personnel qu'on peut considérer comme important. Il y avait un directeur du trésor. Il y avait des professeurs qui enseignaient à l'école. Il y avait des cuisiniers, des boulangers. Donc, on avait là tout un ensemble de fonctionnaires qui étaient rattachés à ce pouvoir central. Voici la restitution de ce château de millions d'années. Les entrepôts et les magasins, construits en briques crues, se répartissent tout autour du temple. C'est le lieu de stockage des denrées et le site administratif. L'ensemble est protégé par de hauts murs.
Autour de cette clôture, une allée processionnelle, bordée par des sphinx. Au centre du site, le temple. C'est ici que se déroulaient les cérémonies. C'est le cœur du Ramesséum. Il n'était accessible qu'à une poignée de prêtres et d'initiés. Dans cet espace sacré, tout doit être décodé aujourd'hui encore. Un défi que Philippe Martinez relève depuis plus de 20 ans. Il est spécialiste des textes et des symboles de l'Égypte ancienne. C'est un roi qui est entouré de bandelettes, et le fait d'être entouré de bandelettes en Égypte, c'est pas qu'on est mort, c'est aussi le fait qu'on est divinisé. Parce qu'en fait, il faut envisager ces corps bandelettés comme, je dirais, des chenilles qui sont en train de se transformer en papillons. On est véritablement au niveau d'un cocon qui manifeste la métamorphose du roi. Et sur cet axe-là, qui est l'axe de la divinité, sur lequel le roi va progresser, eh bien en fait, il va subir les différentes étapes de sa métamorphose. Le but, c'est qu'on ait un roi qui passe du roi terrestre actif qui règne au roi qui va être actif parmi les dieux pour l'éternité. Alors ici, on change de niveau, c'est plus ou moins imperceptible, mais on quitte le monde où se croisaient la royauté et la divinité pour aller vers un élément important du temple, c'est ce qu'on appelle la grande salle hypostyle. En progressant dans le temple, Pharaon va peu à peu se transformer. Il pénètre dans une suite de petits univers sacrés, comme cette salle des colonnes. Elle symbolise un marais dans lequel le monde serait né. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve dans un espace qui est beaucoup habité par des colonnes, mais des colonnes qui sont de formes différentes. On va avoir sur l'axe central des colonnes papyriformes qui sont ouvertes, qui sont plus grandes que les autres. On peut dire qu'en fait, on est dans une forêt de pierres. Et sur les côtés, on va avoir des colonnes plus petites qui sont, elles, fermées. Grâce au travail de Philippe Martinez, nous avons pu restituer cette salle. Les rayons du soleil venaient caresser les piliers centraux et ouvrir les fleurs de papyrus. Alors que plongés dans l'obscurité, les autres restaient en bouton. Passé cette salle des colonnes, Ramsès II parvenait dans l'espace le plus sacré. Derrière cette porte se trouve le Naos, la statuette du dieu. Posée dans une barque, voici la représentation d'Amon. Les archéologues pensent que le roi touchait la statue pour en puiser la puissance et achever ainsi sa transformation. Au bout de ce parcours, Ramsès II devenait donc l'égal des dieux. C'est en tout cas l'hypothèse de Philippe Martinez, qui s'appuie sur l'étude d'un autre monument. Voici le temple de Médinet-Abou, dédié à Ramsès III. Dans une chapelle, l'archéologue a trouvé la confirmation qu'il cherchait. Alors, au cœur de la chapelle, on retrouve Ramsès III, qui est le roi actif. Il fait des offrandes devant une barque sacrée. Et cette barque sacrée, elle nous montre au niveau de sa poupe, en fait, une figure humaine. C'est un roi qui a été divinisé. Et ce roi, en plus, on a le nom, c'est Ramsès II. Donc, dans le temple de Ramsès III, on retrouve la barque sacrée de Ramsès II, qui est devenu lui-même un dieu. Le roi divinisé, le roi céleste, qui travaille avec les dieux. Au nord de l'Égypte, c'est une autre histoire qui se dévoile. À
Alexandrie, une équipe d'archéologues français tente depuis plus de 20 ans de redonner vie à l'une des sept merveilles de l'Antiquité. Le célèbre phare d'Alexandrie. Avec 4,5 millions d'habitants, la cité est la deuxième ville du pays après le Caire. L'archéologue Isabelle Herry travaille ici depuis plus de 20 ans. Elle s'est peu à peu habituée à ce rythme chaotique. C'est toujours le bazar. Enfin, sauf entre 2h du matin et 6h et encore 5h peut-être, avant la prière, quoi. Avec les klaxons, le trafic infernal. Je m'y suis faite. Après, j'imagine que tout le monde ne s'y fait pas. Il y a des gens qui supportent pas le niveau sonore. En fait, c'est beaucoup trop bruyant et il y a des gens qui craquent complètement à cause du niveau sonore. Et puis, c'est une ville. Donc, c'est à 100 à l'heure en permanence. Donc, il faut tout le temps être là, prêt. On est dans la droite lignée de ce qu'était cette ville, probablement. Au moins à l'époque gréco-romaine, on a comptabilisé environ 500 000 citoyens à l'époque, quoi. Donc la deuxième ville de la Méditerranée après Rome. Aujourd'hui encore, la ville garde la mémoire de cette splendeur passée et de son père fondateur, Alexandre le Grand. En 334 avant notre ère, Alexandre, roi de Macédoine, entame ce qui sera l'une des plus grandes épopées militaires de l'histoire. Il pénètre en Perse et, après les grandes batailles de Granique et d'Issos, entre en Égypte en décembre 332 avant notre ère. C'est lors de ces quelques mois passés sur les terres des pharaons qu'il fonde Alexandrie, avant de reprendre la route de l'Est et d'achever ses conquêtes au Proche-Orient. Pour fonder sa cité, le choix d'Alexandre se porte sur des terres désolées, à l'ouest du delta du Nil, entre des marais insalubres et la mer. C'est le général lui-même qui aurait décidé du plan de la ville. Elle s'organise suivant un schéma orthogonal. De grandes rues se croisent et forment un damier. Alexandre imagine un modèle d'urbanisme révolutionnaire pour l'Antiquité. Une cité moderne qui accueillera les plus grands savants du monde. Les visiteurs de l'époque sont stupéfiés par les dimensions de la cité. Les rues peuvent atteindre 30 mètres de large. C'est Ptolémée Ier, un général d'Alexandre, qui achève la construction de la cité. Il érige des palais royaux et de grands temples. Partout s'épanouissent de magnifiques jardins. À l'ouest, un heptastade, une chaussée construite sur une digue, permet de relier une petite île au reste de la ville. Cette île se nomme Pharos. Elle va donner son nom à l'une des sept merveilles de l'Antiquité. Un monument mythique, construit sur ses côtes, le phare d'Alexandrie. Les gravures et les dessins qui le représentent sont nombreux. Tout au long de l'Antiquité, les visiteurs qui le découvrent sont fascinés par l'ampleur du monument. Au fil des années, le phare devient un mythe. On dit qu'il mesure plusieurs kilomètres de haut. On le compare à un dragon crachant du feu. On le représente même sur des pièces de monnaie. Malgré sa disparition, certainement lors d'un tremblement de terre au XIVe siècle, la légende du phare d'Alexandrie a traversé les siècles. Ce matin,
Isabelle Herry rejoint la presqu'île de Pharos. Sur cette bande de terre, depuis le 15e siècle, s'élève une forteresse mamelouk, le fort Kaïd Bey. Lorsque le fort est construit, le phare a totalement disparu depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années. En fait, la dernière mention de la présence des ruines sur cet îlot date de 1435. On a un voyageur qui passe et qui dit qu'il ne reste qu'un tas de ruines à cet endroit. Et on suppose bien que c'était déjà le phare, enfin que c'était encore le phare. On a fait le tour, évidemment, du fort pour voir si on pouvait trouver des indices de l'emplacement de l'ancien phare. On s'est rendu compte donc que dans le donjon, il y avait des blocs en granit qui avaient été réemployés dans la construction. Alors, on a supposé que ces blocs en granit pouvaient avoir été empruntés aux ruines du phare. Mais ce qui a vraiment été décisif, ça a été l'observation de cette porte, de découvrir que dans le fort, on avait réemployé des blocs en granit alors qu'on ne savait plus tailler le granit. Donc on voit très très bien d'ailleurs sur ces blocs qu'on les a quasiment récupérés tels quels. Sans d'ailleurs trop savoir dans quel sens les disposer, puisque là on a affaire à une base de statue qui a été posée à l'envers. Là on a un bloc cubique qui n'a plus franchement de destination. Et ici on a donc trois pièces en granit, qui ne sont pas franchement taillés, mais qui ont été disposés dans la forme d'une porte. On s'est dit, le phare ne doit pas être très très loin, étant donné qu'on a ces pierres à cet endroit-là. En 1994, au pied du fort Kaïd Bey, l'équipe française effectue ses premières plongées. Les vestiges du phare sont bien là. Pour Isabelle Herry et l'équipe de plongeurs, un travail gigantesque de relevé et d'étude commence. Près de 20 ans plus tard, le chantier continue. Les équipes de plongeurs se succèdent afin de cartographier ce site gigantesque. Dans la zone du Naos, oui. C'est donc vous avez levé. Et... Depuis le début des fouilles, 3000 blocs ont été répertoriés. Et là, c'est les 1003. On regarde la carte du site parce que quand on organise le travail pour les plongeurs sous l'eau, il faut ensuite se repérer, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va aller plonger. Et sur le site sans carte, autant dire qu'on va nulle part. Hein. Avec une visibilité à 2 mètres, si on n'a pas de carte, c'est même pas la peine. Voilà. On l'a fait sortir en fait. Il était coincé entre ces deux blocs. Mohamed El Sayed est l'un des meilleurs connaisseurs de ces fonds marins. Aujourd'hui, avec son équipe, il doit désensabler un bloc pour le photographier. Ça fait 22 ans que je plonge ici et je ne me suis jamais ennuyé en fait. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Quand on plonge tous les jours, on découvre toujours des nouvelles choses. Ça, c'est l'idéal en fait. Les plongeurs se mettent à l'eau juste au pied du fort. Le site s'étend de la bouée jaune qu'on voit là-bas jusqu'à la digue en retour qu'on voit ici sur une distance de 300 mètres. Partant calme par mer d'huile, ce qu'on appelle, on voit très très bien les blocs sous l'eau. Voici le bloc que les plongeurs doivent étudier. Une fois attaché, la pièce est soulevée grâce à un parachute rempli d'air. Thank you.
Désensablée, la pièce est nettoyée. Avant d'être photographiée. Ces photos permettent de référencer les pièces et de les modéliser. Et voici le résultat. Un outil numérique qui donne la possibilité aux archéologues d'accéder directement au bloc sous-marin. L'étude de certains de ces éléments, comme ici ces longues pièces de granit qui apparaissent, a été déterminante pour commencer à comprendre l'architecture du bâtiment. En associant ces blocs, comme dans un puzzle, Isabelle Herry a pu reconstituer l'une des portes du phare. Cette porte a permis de mettre en évidence une figure géométrique élémentaire. Un triangle. Selon l'archéologue, il aurait servi d'étalon pour la mise en œuvre des plans du bâtiment. En répétant cette figure, on donne naissance à la base carrée et aux quatre côtés du bâtiment. Développé en élévation, on obtient sa hauteur. Les archéologues savent, grâce aux textes anciens, que le phare était constitué de trois étages. Voici le second, octogonal. Et enfin le troisième. Après tant d'années de recherche, un modèle de phare compatible avec les dernières découvertes archéologiques apparaît enfin. Mais une question reste en suspens. Quel était son décor? Pour répondre à cette interrogation, Isabelle Herry étudie des vestiges mis au jour en 1996. Cette année-là, des dizaines d'éléments de décor monumentaux sont sortis des flots. Les autorités égyptiennes organisent même un événement. Elles profitent de la visite de Jacques Chirac pour remonter à la surface une merveille. La tête d'une statue colossale. Ce colosse trône aujourd'hui au centre d'Alexandrie. Son buste et d'autres éléments ont été retrouvés, permettant de le compléter. Vous voulez te voir? Oui. Tu vas peut-être le voir. Est-ce qu'il voulait te voir? Ok, donc là tu pilotes l'appareil. Tiens, on la perche. Depuis le téléphone. Depuis le téléphone. Hein. Ce matin, Isabelle et un membre de son équipe prennent des photos. L'archéologue mène actuellement un travail sur la statuaire retrouvée sur le site. On a pu recomposer une galerie de portraits de 9 statues. Donc cette statue colossale qui marche avec une autre statue féminine, une reine en Isis, et au moins 4 autres grandes statues d'environ 6 mètres de haut, donc également statue colossale, dont on essaie de comprendre la relation, le lien avec le bâtiment, avec l'architecture. Donc on essaie de comprendre où elles étaient disposées. Là, on voit effectivement que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Grâce à l'étude des détails de la statue, les archéologues ont pu déterminer l'identité du personnage représenté. Alors on voit que la statue a été quand même très endommagée, c'est-à-dire qu'elle était posée sur le dos et des siècles d'érosion ont gommé partiellement les traits du visage. Mais bon, on voit quand même dans la volumétrie des choses qui restent. Il a les attributs d'un Ptolémée. L'œil est encadré par un bourrelet sourcillé qui est assez typique des représentations du
Ptolémée Ier. Et il a un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve jamais, évidemment, sur les pharaons. Les mèches qui débordent du diadème, ça c'est typiquement grec. Le diadème, donc la couronne grecque, qui indique qu'on a affaire à un sculpteur grec, en tous les cas une interprétation grecque de la sculpture égyptienne. Nous sommes donc face à une représentation de Ptolémée Ier, le général d'Alexandre devenu roi d'Égypte. C'est lui qui a ordonné la construction du phare. On pense qu'une série de statues colossales, dont ce Ptolémée, étaient disposées autour du monument. Cette restitution en trois dimensions intègre toutes les découvertes les plus récentes et les dernières hypothèses de décor. Au premier étage du bâtiment, des cornes de brume en forme de triton. Au deuxième étage, des feux suspendus allumés à la fin du jour. Des miroirs positionnés autour en amplifiaient la lumière. Dernière hypothèse en date, une statue de Zeus en sauveur surmontait le phare. Grâce au patient travail des archéologues, le phare semble se dresser à nouveau au bout de la presqu'île de Pharos. Comme si, à la nuit tombée, ses feux guidaient encore les navigateurs vers la grande cité d'Alexandre. Au grand siècle de Louis XIV, retour dans le domaine de Versailles. Je voulais vous faire partager l'atmosphère dans le bosquet du Théâtre d'Eau à la tombée du jour. De ce bosquet, il ne restait plus rien après la tempête de 99. Alors on a fait appel au paysagiste Louis Bénèche pour créer un jardin contemporain. L'artiste Jean-Michel Autoniel a réalisé ces trois fontaines sculptures. Elles sont ornées de grandes perles. Certaines sont en vert et or, d'autres en vert bleu de Murano. Et elles s'inspirent des pas de danse de Louis XIV, notamment les entrelacs et les arabesques. Voilà, c'est la fin de cette émission qui était consacrée aux grands bâtisseurs avec Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Orabona et toutes les équipes techniques et éditoriales. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée sur France 3. Bonsoir.